Bonjour à tous. On m'entend bien là, c'est bon. Écoutez, bienvenue dans, table ronde qui s'intitule donc Le pouvoir de l'image dans l'évolution des consciences. Beaucoup de propositions, beaucoup de termes dans cette question. Je vous présente d'abord évidemment nos trois invités. Je vais commencer par mon voisin de droite dont on vient de voir un film qui résume les activités humanistes et utopiques, mais d'utopie concrète, je pense quand même. David Ken, qui est donc photographe. À sa droite, François Bégodeau, Palme d'Or, écrivain, journaliste, critique, scénariste. À ma gauche, Michael Stora, qui est psychanalyste, qui est le cofondateur de l'Observatoire des mondes numériques en sciences humaines. Voilà, vous comprenez mon hésitation. À vous trois, d'abord, je vais poser une question rituelle. Le meilleur est-il à venir? Et je m'adresse à vous, David Ken, qui venait de nous offrir 2 minutes 30 de bonheur à travers ce petit film. Bonjour à tous. Alors, le meilleur est-il à venir? J'aime croire que oui, même s'il faut vivre dans le moment présent et qu'il y a des très très belles choses à vivre aujourd'hui. J'étais assez court. François Bégodeau, le meilleur est-il à venir? Bien, en tant que j'ai eu une formation de prophète, hein, donc je peux répondre à cette question, parce que je sais à peu près ce qui va se passer dans 100 ans. Non, j'en sais foutre rien. Ce que je crois savoir, comme d'ailleurs au même titre que n'importe qui ici, d'ailleurs, c'est qu'on n'éradiquera pas de sitôt de la planète toutes les choses qui nous fâchent. Et peut-être qu'il faudrait partir sur ce que certains philosophes appelleraient la conscience tragique. La conscience tragique étant que de toute façon, il y aura toujours de la violence, il y aura toujours de la douleur, il y aura toujours du dysfonctionnement. Je dirais même que ça serait très inquiétant d'envisager un monde où rien ne dysfonctionnerait. Je pense que ce monde, ça peut être une définition d'un monde fasciste quand même. Un monde où, meilleur des mondes, en fait. Voilà, qui est assez effrayant. C'est le côté à la fois désirable et effrayant de l'utopie. Donc, en revanche, je pense que peut-être qu'on peut travailler à appuyer comme des acupuncteurs sur ce qui serait le plus joyeux dans les propositions vitales qu'on nous fait quand on est un être humain. Oui. Pas mal, un bon prophète. Michael Stora, vous qui êtes psychanalyste, qui travaillez sur les dysfonctionnements et les névroses, le meilleur est-il à venir? Oui, alors, vous savez que, en effet, j'ai envie de dire non, parce que comme ça, sinon, j'aurais plus de clients. Mais à part ça, n'étant pas... Non, vous m'entendez pas? Allô? 1, 2. Oula! Oui, donc, je disais, de manière, bien sûr, ironique, il ne faudrait pas que tout aille trop, trop bien, parce que sinon, je n'aurais plus de clients. Mais au-delà, j'ai envie de dire que... dans cette société, parfois qui étonnamment a tendance parfois à stigmatiser, voire à mépriser la jeune génération, j'ai envie de dire que bien au contraire, le meilleur est à venir. Je pense que profondément, les jeunes actuels, et je crois qu'on aura l'occasion d'en parler, pour moi, ont parfois étonnamment plus de maturité que leurs parents. Et donc j'ai envie de penser que oui, le meilleur est à venir. Merci beaucoup. Alors... on va peut-être un tout petit peu reprendre les termes du débat. Donc le pouvoir de l'image dans l'évolution des consciences. Moi, ce qui m'a frappé en préparant un petit peu ce débat, c'était l'extraordinaire profusion en fait, hein, des images auxquelles on assiste aujourd'hui. Et évidemment, avec à la fois ce potentiel négatif que les images peuvent avoir dans nos consciences et dans la marche du monde. Et en même temps, et ce que je trouvais intéressant, c'était aussi peut-être d'insister sur le retournement auquel on assiste aujourd'hui, puisque avant, si tant est qu'on puisse parler d'un avant, on pouvait considérer l'image depuis un émetteur jusqu'à nous, individus, récepteurs des images. Aujourd'hui, nous sommes tous
nous-mêmes producteurs d'images fixes avec nos téléphones portables, producteurs d'images animées. Et donc, loin est le temps où une image pouvait faire le tour du monde. Je pense qu'on pourra se tourner vers vous, David, cette fameuse photo de Robert Capa pendant la guerre d'Espagne qui incarnait à elle seule à la fois la guerre, la violence, la mort et la tragédie du XXe siècle. Et puis, je me suis intéressé un peu à vos profils, à tous les trois, et je vous ai trouvé des petits surnoms. David, je vous ai appelé La Preuve. La preuve, peut-être par l'image, en tout cas, les travaux pratiques. D'une certaine manière, votre projet, sur lequel on va revenir juste après, est la démonstration que l'image a un pouvoir pour aller mieux. Alors on va revenir sur qu'est-ce que signifie aller mieux et en quoi on va pouvoir aller faire progresser les consciences. Michael Stora, le thérapeute. Le thérapeute parce que on va y revenir aussi. On va y revenir aussi. Ah bah, après ça, moi, c'est pour lancer le débat. Hein. Le thérapeute parce que, contrairement aux idées reçues, vous travaillez notamment sur la question des jeux vidéo. Vous guérissez, ou en tout cas vous tentez de guérir par les jeux vidéo qui sont extraordinairement décriés aujourd'hui à chaque fois qu'il y a un problème, un assassinat, un meurtre, une tuerie de masse, et Dieu sait s'il y en a d'un point de vue médiatique et réel ces dernières années. On incrimine les jeux vidéo en les traitant grosso modo de tous les noms et en faisant un synonyme, en tirant un trait d'égalité entre jeux vidéo, violence, récemment là, à Istres, le portrait psychologique du meurtrier, il était accro à Internet et aux jeux vidéo. Ce qui expliquerait peut-être à soi seul son geste. Moi-même, je suis accro à Internet et aux jeux vidéo et je vous promets que je n'ai jamais tué personne. Pas encore. J'ai arraché quelques pattes de fourmis dans ma jeunesse. François Bégodeau, le transfuge, d'abord parce que c'est l'excellent mensuel auquel vous collaborez depuis maintenant quelques années, à la fois en tant que critique cinéma et en tant que chroniqueur livre, et en même temps parce que, alors, dans votre cas précis, vous êtes passé de l'écrit à l'image, dans une sorte de mise en abîme d'ailleurs assez profonde, puisque vous avez joué votre propre rôle dans, donc je le rappelle, Entre les murs, hein, Palme d'Or 2008, à Cannes, tiré de votre roman, qui et ce passage, ce transfuge entre l'écrit et l'image, en tout cas, moi, m'intéresse dans notre affaire d'aujourd'hui. David Ken, on va directement passer à vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse de ce LOL Project? LOL, qui est un terme qui est lui-même un petit peu ironique, qu'on utilise dans l'alphabet d'Internet, dans les nouvelles manières de se parler les uns les autres. Et vous l'utilisez de manière très positive, en fait, LOL, presque au premier degré. Alors, il faut juste replacer ça dans le contexte 2009, lorsque le LOL Project, on a commencé à y penser, avec mon partenaire et complice qui doit être par là, William Lafarge. C'était la crise, la grippe H1N1, on allait piquer nos enfants, les subprimes, tout allait marre, on en avait marre de tout, on allait se suicider. Bon bref, c'était vraiment l'horreur absolue, et en se baladant, on s'est dit, tiens, crise de la quarantaine oblige, je me suis dit, il faudrait peut-être donner un peu de sens à ce qu'on fait dans la vie, après des top modèles, ce qui est très agréable, hein, mais à quoi peut servir l'image, à quoi peut servir une image, et a commencé à germer l'idée du LOL Project. Alors LOL, Laughing Out Loud, pour ceux qui ne connaissent pas, mais ça veut dire rire à gorge déployée, pourquoi pas français et dire MDR comme certains le disent, parce que pour moi, MDR, excusez-moi du terme, mais ça fait merde, ça ne fait pas mort de rire. Donc LOL, c'est plus rond, c'est plus agréable, et beaucoup j'ai des enfants, ils utilisent LOL et ils n'utilisent pas mort de rire. Donc
LOL Project, parce que c'est quelque chose toujours en évolution et ça va être très important pour la suite. Ce n'est pas un projet qui va s'arrêter là et qui il pourrait continuer. Et il aurait été tout à fait légitime il y a 10 ans, comme il sera toujours légitime, je pense, dans 20 ans. On aura toujours envie de ces petites parenthèses enchantées qui sont lâcher prise, se sentir bien avec ses proches. Maintenant, il fallait, comment on fait pour donner du sens à ce lâcher prise face à une caméra? Tout simplement, c'est une expérience et c'est tout sauf une posture. Ce n'est pas quelqu'un qui se marre devant un fond blanc. C'est un peu plus profond que ça. C'est une petite rencontre d'un quart d'heure, 20 minutes avec des gens que je ne connais pas, qui s'inscrivent sur notre site lolproject.com. Et ça permet tout simplement, je ne sais absolument pas qui, il y a peut-être des gens parmi vous qui l'ont fait, d'ailleurs le LOL, je vois déjà une personne devant moi, et qui, donc du coup, je ne sais pas qui pousse la porte, ça peut être un grand, un gros, un petit juif, un arabe, je m'en fous complètement, et c'est ça la surprise, c'est quelqu'un qui vient au studio et qui a envie de partager un moment, il se dit, mais ça fait quoi de lâcher prise devant une caméra? Et l'idée absolue, c'est que au lieu d'être une posture, ça devient tout simplement une preuve. Donc c'est bien de parler de preuve, dans la mesure où c'est l'expérience vécue qui fait la richesse de ce projet, s'il y en a une, c'est que la personne, ça fait du bien, tout simplement. Et de nos jours, c'est pas tous les jours qu'on peut se faire du bien. Donc voilà, l'ensemble du projet, ça fait du bien à celui qui le fait, ce LOL. Mais ça fait aussi du bien à celui qui va le regarder. Lorsqu'on inaugure des mosaïques, comme vous avez pu le voir dans le petit film, dans des hôpitaux, si ça fait du bien à quelqu'un qui va très bien, imaginez ce que ça fait encore plus de bien à quelqu'un qui ne va pas très très bien, qui ne se plaint pas du reste, qui est dans un hôpital avec des patients, des médecins, l'encadrement. Imaginez-vous quand eux vont voir leurs images fixées une fois pour toutes positives, sur une fresque qui fait 2 mètres par 2 mètres, une mosaïque, on apporte tout simplement du positif à l'hôpital. Et imaginez-vous, si j'étais encore plus fou que ça, I LOL Paris, une exposition énorme où ben, tous ceux qui sont dans la salle, j'en ai photographié donc plus de 3000, donc vous seriez tous dans l'exposition, sur les murs de Paris, devant les monuments de Paris, le message positif qu'on enverrait un peu au monde entier. Tout simplement, tout le monde photographierait les images de ceux qui rient et ça ferait un peu boule de neige. Voilà un peu, j'ai essayé d'être un peu court. Merci. Merci. Michael, vous allez nous raconter un peu la teneur de votre travail, notamment auprès des enfants et je dirais aussi auprès des parents inquiets, car la nature d'un parent est sans doute d'être inquiet. Vous avez travaillé, vous avez animé des ateliers jeux vidéo, en fait, des ateliers thérapeutiques, j'utilise le terme à dessein. Vous ne diabolisez pas les jeux vidéo, comment ça se fait? Comment ça se fait? Alors, je pense qu'il faudrait prendre le risque pour tout un chacun ici de jouer. Au-delà du jeu vidéo, j'ai presque envie de dire que, inversement, les gens qui ne savent pas jouer m'inquiètent. Je pense que savoir jouer est une preuve, en tout cas une capacité à avoir la distance. Au-delà, donc là c'est une forme de mini-présentation, c'est ça? Bon, ok, donc, c'est vrai, j'ai un moment utilisé les jeux, mais il faut bien saisir que, je ne sais pas ce qu'il en est de nos histoires personnelles, mais j'ai été moi-même un bébé biberonné aux images télé, vivant aux États-Unis, et je pense que j'ai toujours eu ce fantasme un peu fou, qui était de rentrer dans l'image. D'exister dans l'image. Alors là, je suis filmé aussi, mais en même temps, au-delà, c'était une sorte d'illusion que d'ailleurs Woody Allen décrit très bien dans La Rose pourpre du Caire. On est en temps de dépression, cette femme est seule, et puis elle imagine un moment que les personnages sortent. Et je crois que j'ai voulu vivre quelque chose de cet ordre-là, et lorsque j'ai joué pour la première fois moi-même à un jeu vidéo en 95, un jeu qui s'appelait Deus Ex, réalisé par Warren Spector, un très grand jeu, j'ai eu cette même illusion. C'est-à-dire, à un moment, vous rentrez dans l'image, vous marchez dans l'image, sorte de narration sensorielle étonnante. Et je me suis rendu compte que l'avatar me permettait d'être cet autre, et que cet autre, c'était une partie de moi que d'habitude, on n'ose pas vraiment montrer, parce qu'on est respectueux des autres.
on n'est pas tous des psychopathes, vous voyez ce que je veux dire. Mais on avait besoin, j'avais besoin d'être un peu cet autre. Et bien, c'est un petit peu cette idée-là que j'ai utilisée pour les enfants. Les enfants que je recevais étaient ce qu'on appelle les enfants qui ont des troubles du comportement, violents, échecs scolaires, des enfants dont le premier ennemi, c'est eux-mêmes. Des enfants qui apparaissent pour beaucoup comme limités, mais pas du tout. C'est plutôt qu'ils ont un imaginaire tellement inquiétant qu'au fond, ils vont réprimer. Et là, le jeu vidéo a servi ma cause, parce que d'abord, ils aiment ça, et je pense que vous l'avez bien dit. Quand il y a un fait divers, on dit, vous vous rendez compte, cet adolescent joue aux jeux vidéo. Donc c'est assez banal que les... Bon, c'est 100% presque des enfants ou des ados. Néanmoins, j'avais besoin d'utiliser ce prétexte-là pour leur permettre de s'incarner dans un avatar, d'exister à travers un autre, tout en sachant que cet autre, c'était eux. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et c'est vrai que j'ai eu une réussite thérapeutique assez étonnante. Et maintenant, ça fait 10 ans que je fais ça. Donc, je forme maintenant beaucoup de collègues qui ont pris ce risque-là. Mais voilà. Donc, en gros, ça a été un peu une démarche, d'abord, comme toujours, très personnelle. C'est quand même notre manière d'investir des choses qui nous passionnent. Et toujours dans l'idée qu'il y a peu de psychanalystes qui s'intéressent aux images. Et en même temps, je crois que maintenant c'est trop tard, elle est là, elle est déjà là depuis un bon moment, et donc un peu à l'image de ce que fait David, moi c'était un peu cette idée de comment l'image peut changer. J'ai, au-delà, vous ne l'avez peut-être pas vu dans votre fiche, mais j'ai animé pendant 7 ans un atelier cinéma pour des adultes psychotiques, où à un moment on est sorti avec la caméra dans la rue, en se faisant passer pour une fausse équipe de télé, En parlant d'une anecdote, en disant, voilà, l'hôpital éphémère à côté de vous, dans le 18e, va devenir un hôpital psychiatrique, qu'est-ce que vous en pensez? Et au bout d'un moment, on laissait tomber la caméra, et en leur disant, ils disaient, nous, ça fait 30 ans qu'on est psychiatrisé. Donc là, une autre caméra filmée, et on filmait ça, et en fin de compte, c'est comment, avec l'image, donc l'appareil, toutes sortes de choses, on peut, pourquoi pas, changer l'image De nos représentations qui d'habitude sont un peu figées pour mille et une raisons. Voilà. François Bégoudeau, je disais que vous étiez un transfuge. Comment s'est passée l'adaptation entre les murs au cinéma? Et j'allais dire, est-ce qu'il fallait l'adapter au cinéma? Est-ce que ça a démultiplié en fait l'impact de... Du livre qui est loin d'être un livre à visée pédagogique, qui est vraiment un rendu d'expérience, mais le fait d'avoir accédé à l'image, est-ce que ça a dénaturé, démultiplié l'œuvre initiale? Je suis un peu embêté qu'on prenne le sujet pour ce qui me concerne par ce bout-là, puisque ça, d'abord, c'est m'inviter à rendre compte d'une initiative qui n'a pas été la mienne. C'est-à-dire, moi, quand j'ai écrit le livre et ça me suffisait, tout simplement. Il se trouve des circonstances, après, ont fait qu'il y a eu des gens qui ont désiré l'adapter, et des circonstances ont fait que j'ai été enrôlé dans l'histoire de bon cœur. Mais moi, ça n'aurait pas existé, ça m'aurait tout à fait été. Je pense qu'une adaptation d'un livre dénature toujours le livre, mais vraiment par essence, enfin par nature. Enfin, c'est évident, parce que une image n'a rien à voir avec des mots. Donc on change de pâte, on change de matériau, donc on change tout. C'est un objet ajouté à un autre, je dirais. Après, il se trouve que la visibilité du cinéma étant ce qu'elle est, d'un seul coup, les choses ont plus de visibilité par rapport à un livre qui a du succès. C'est quand on en vend 20 000. C'est le début du succès, si vous voulez. Un film qui ferait 20 000 spectateurs est considéré comme un immense fiasco. Donc c'est à ce titre-là, sa visibilité. Donc c'est pas vraiment, là je peux pas, comment dire, je pense même que d'une certaine manière, évidemment le film fait du mal au livre, bien sûr qu'il fait du mal au livre. Il est compliqué après de requérir de la part de quelqu'un qui aurait découvert le film avant le livre et qui irait au devant du livre, de requérir de sa part une espèce de virginité qui est celle que moi je demande à mon lecteur avant d'appréhender un de mes livres. Donc, juste en même temps, souvent on se dit... Le personnage principal, je ne le voyais pas comme ça. Là, en même temps, c'était vous. Donc, il y avait cette espèce de... Oui, mais par définition, on ne le voyait pas comme ça, puisqu'on ne le voit pas. C'est-à-dire, dans un livre, on ne voit pas les gens. Et c'est une des choses intéressantes de l'écrit, c'est qu'il ouvre le spectre de l'imaginaire. Je ne crois pas que l'image le ferme, mais elle propose un autre imaginaire. Donc, de toute façon, c'est toujours une trahison d'incarnation, une adaptation. C'est pour ça que je ne suis pas... Moi, de moi-même, je n'aurais jamais adapté ce livre. C'est pour ça que je suis un peu embêté. Ce que je peux dire de plus, disons, qui me concerne, à mon avis, davantage, c'est que quand je faisais des études de lettres, et que j'étais très immergé dans les mots, et que j'aimais les mots, et que je lisais beaucoup, et que par ailleurs j'avais quand même la vague idée d'en produire à mon tour,
très vite, j'ai quand même ressenti, pour moi, la cinéphilie qui a débarqué dans ma vie, disons, quand j'avais 18-19 ans, quand j'ai commencé à faire les sup, disons, des études littéraires dites supérieures. Moi, j'ai toujours vécu ma cinéphilie comme un contrepoint aux mots. C'est-à-dire que par rapport à cette idée que l'image serait manipulatrice, alors que les mots seraient un peu plus justes, seraient une zone de moindre manipulation, moi, je le ressentais exactement comme l'inverse. C'est-à-dire que je voyais bien à quel point les mots, c'était piégeux. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la littérature joue beaucoup du piège des mots. Elle s'amuse beaucoup du caractère piégeux des mots. Et je voyais au contraire dans le cinéma, et notamment dans un certain cinéma dit réaliste, même si le mot est très sujet à caution, au contraire un accès direct au réel, ce qui est évidemment mensonger, bien sûr. Hein. Il y a une médiation par l'image. Mais en tout cas, c'est à ce titre-là que je me mettais à avaler des films de Piala, à avaler des films de Rossellini, parce que j'y voyais vraiment une sorte de bouffée d'air et de brèche, d'accession au réel, là où je sentais quand même que j'étais en train de m'enfermer dans une bulle qui était une bulle verbale, une bulle intellectuelle, une bulle de, disons, d'enseignement d'élite, une bulle, c'est vrai que l'étude, c'est quand même une sphère un tout petit peu close quand même. Hein. Alors par ailleurs, elle nous permet de nous ouvrir sur un certain nombre de choses, par exemple des grands écrivains, par exemple des grands penseurs, mais il y a une claustrophobie de ce genre de filière. Et pour moi, le cinéma, c'était vraiment la fenêtre sur le monde. Donc moi, j'ai un rapport qui est plutôt, en tout cas dans ma biographie à moi, dans ma vie, un rapport qui est très positif à l'image. Hein, c'est vraiment, c'est pas du tout l'image comme manipulatrice, ce serait plutôt l'inverse, quoi. Comme déjouant un certain nombre de manipulations. Un auteur qui a vraiment pignon sur rue, qui est Jonathan Franzen, avoue qu'il ne peut plus écrire de la même manière qu'il y a 10-15 ans, parce que justement, il y a la multiplication des images, il y a les séries télé, il sait que son public sera de toute façon, va décrocher au bout de 2-3 pages, parce que il va se lasser, et donc lui-même, qui est genre le grand écrivain, doit concéder les mots vis-à-vis de l'image. Est-ce que c'est quelque chose vers quoi on tend ? Parce que je pense qu'un écrivain comme Franzen produit une littérature, d'abord c'est de la littérature américaine, c'est de la grande littérature de fresque américaine qui joue notamment sur le récit, qui joue sur les personnages, qui joue sur le fait qu'il va se passer des choses. Donc c'est une littérature qui est elle-même déjà formatée, je dirais, formatée est un mot un peu trop péjoratif, hein, c'est pas mon idée de le descendre du tout, loin de là, j'ai plutôt de l'admiration pour lui. Je pense que c'est à ce titre-là, quand vous rentrez dans un truc de personnage, d'histoire, de récit, alors la littérature est toujours à la ramasse sur le cinéma. Elle sera toujours perdante. Donc je crois qu'on peut quand même produire une littérature qui ne serait pas en compétition avec le cinéma, qui serait peut-être un peu moins narrative, qui serait peut-être un peu moins requise par le fait de raconter quelque chose et d'être ce qu'on appelle un page-turner, c'est-à-dire je veux connaître la suite. Je crois que la littérature peut produire tout un tas d'autres choses, d'autres modalités d'expression. Alors, ce n'est pas forcément la littérature la plus visible. Je pense que ce qui caractérise ce qu'on appelle la littérature populaire ou celle qui se vend le mieux, c'est celle qui est éminemment narrative. Hein, c'est, en gros, on me raconte une histoire avec des mots. Peut-être que la littérature un peu plus exigeante ou un peu moins visible ou un peu plus minoritaire, elle passe par d'autres modalités. Et à ce titre-là, elle n'est pas du tout en concurrence avec le cinéma. Elle produit des choses qui sont spécifiques et que le cinéma ne pourrait pas produire. Notamment, par exemple, des mots. La littérature, c'est quand même faire des phrases. Et s'il y a bien un truc que le cinéma ne nous ôtera pas, à nous, écrivains, c'est notre capacité à faire des phrases, quoi. Des phrases de littérature, je dirais. David Ken, on parlait tout à l'heure de la multiplication justement des images. Et indépendamment du LOL Project, en tant que photographe, est-ce que vous avez le sentiment qu'il faut être ce que les publicitaires appellent de plus en plus impactant ? Est-ce que parce qu'il y a beaucoup, alors il faut faire toujours plus dans le cliché en fait ? Qu'on appelle impactant, il est évident qu'on a tous une zapette dans la tête ou à la main, donc les images nous sont présentées par multicanal, on a un téléphone, on a une télévision, enfin bref, vous connaissez tous ça mieux que moi, et on est abreuvé d'eux, donc il est évident qu'une image qui vous saute aux yeux chasse l'autre. Donc c'est Roger Théron qui me disait, quand j'ai démarré, donc j'étais beaucoup, beaucoup plus jeune, il me disait, une bonne couverture, c'est une tache de couleur. Et j'ai toujours retenu ce mot-là, parce que je pense qu'il a raison. Si vous regardez un kiosque de loin, il y a tantôt des magazines news, des matchs, etc. Mais on ne sait plus où regarder. Et ce qu'on va regarder inconsciemment,
c'est une tâche. Pourquoi, comment le cerveau est ainsi fait que rouge, vert, bleu, une tâche, monochrome, ou un magazine noir et blanc qui serait au milieu de la couleur, on va avoir une image qui va vous sauter aux yeux. Maintenant, le contenu de l'image, c'est autre chose. Mais avant tout, on regarde une tâche. Donc, les photographes sont des gens qui produisent des tâches, avant tout. Donc, je reviens vite fait sur le LOL Project, c'est des tâches positives. Donc, tout simplement parce que c'est un sentiment primal. Le lâcher prise, en tout cas ce qui m'importe dans le LOL Project, c'est surtout le lâcher prise, ce moment où on perd pied et où on devient solaire, à l'insu presque de son plein gré, parce qu'on est tous humains. Et à ce moment-là, on est tellement humain que ce moment-là d'émotion peut toucher les autres. Donc si on vise juste après, on peut tous avoir l'air très très con dans un lâcher prise, et juste avant, on n'est pas assez lâcher prise. On est juste en train de sourire, alors que là, on éclate de rire. Donc une image éclatante qui est une preuve, qui est vécue, qui est une vraie expérience, oui, ça vous marque, ça vous touche. Il n'y a rien de pire qu'une pub mal exécutée où, soi-disant, l'enfant qui va à Disney, je repense à cette image-là, sur un cul de bus il n'y a pas très longtemps, où l'enfant était très heureux d'aller à Disney, et moi je me disais, mais le pauvre, pourquoi ils ont fait cette photo? Parce que l'enfant était retouché, on en parlera peut-être après, de la manipulation d'eux, c'était faux. Surtout moi qui vois des gens comme vous tous les jours qui s'éclatent, je me dis, mais il y a quand même une possibilité de donner de l'émotion. Alors le message venait tous à Disney peut-être, mais moi j'avais pas envie d'emmener mes gosses à Disney ce jour-là. Voilà. Donc il faut faire très attention, une image doit être juste dans le sens humainement juste, et on est très très aiguisé aujourd'hui parce qu'on est sollicité. Donc aiguisé égale critique égale est-ce que je crois vraiment que cette femme me dit ça ou pense ça, et ça peut être au cinéma, ça peut être très mal joué ou très mal dirigé, donc dans le film, mais dans l'image encore plus fort. Il ne faut pas oublier qu'une image, c'est juste, le cinéma c'est 24 images par seconde, et là elle peut vite passer, et puis on n'a pas vu la mauvaise image, on va dire. Une photo, vous avez le temps, le fameux cul de bus, vous avez le temps hein, sur votre scooter de suivre le bus. Et là, vous avez le temps de vous dire, mais qu'est-ce que c'est nul. Voilà, donc à côté de ça, il y a des images qui vous touchent immédiatement. Pourquoi, comment, il faudrait parfois s'arrêter et analyser le pourquoi du comment. En tout cas, pour revenir au LOL Project, l'émotion pure, l'émotion sincère a plein de vertus. Et avant tout, la bienveillance. Donc la bienveillance, elle passe un peu au-dessus de tout le reste, je pense. Et est-ce que vous pensez que la bienveillance, justement, qui est un peu ce qui nous rassemble, je crois, tous ici, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui a le vent en poupe, ou est-ce que vous avez l'impression de vous battre à rebours de tout ce qui nous vient, de toutes ces images, de toute cette violence? Est-ce que vous avez l'impression d'être juste une petite lumière éclairée dans l'obscurité, ou que on est plein à allumer ces lumières? Je pense que l'être humain est un survivant, quoi qu'il arrive. De toute façon, il va se défendre. De toute façon, il va réagir. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il n'y a pas si longtemps, et donc je reprends son expression, c'est pas en parlant de la pluie que le soleil va arriver. Et je reprends souvent cette expression parce que c'est vrai. On peut vous parler de l'appui au journal télévisé, mais prenez votre zapette, changez. Et si on vous dit qu'un chercheur vient d'inventer quelque chose de fort fantastique, ben, prenez plutôt le chercheur. Et arrêtez du violeur, du machin, du ceci, du cela, parce qu'à force de vous dire que tout va mal, vous allez le croire. Non, la France est un pays incroyablement formidable, avec des gens over intelligents, culturellement, avec des valeurs, avec des choses encore à montrer. Et moi, je suis partisan justement de cette France qui rit et qui montre qu'elle est positive, tout simplement. Je me tourne vers le spécialiste des mondes numériques. On a lu pas mal d'articles, et il y a ces expériences aujourd'hui auxquelles qui nous ont beaucoup étonnés. Vous le savez, la plupart des 4 sup de chez de la Silicon Valley, donc de chez Yahoo, de chez Google, mettent leurs enfants dans ce qu'on appelle des écoles Waldorf en Californie, qui sont des écoles très 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 chères, très renommées,
où tout écran est interdit. Donc on a le sentiment que là où la grande industrie nous vend de l'image à robinet ouvert, pour ce qui concerne leur progéniture, là, pour le coup, il y a un coup d'arrêt, on dit stop, et on va vers des écoles très protégées où le travail manuel serait privilégié aussi, et où finalement on a le sentiment qu'il y a une grande hypocrisie. Et est-ce que le fait que ces gens-là mettent leurs enfants dans ce type d'école n'est pas la preuve que c'est néfaste? Sinon, ils ne le feraient pas. Ah bon, vous pensez? Je sais pas pourquoi ils le font. Ça m'intéresse. J'ai entendu parler de cette histoire. Maintenant, j'ai aussi entendu parler dernièrement des asexués. Bon. Pour moi, on est à peu près dans le même ordre d'idées. C'est-à-dire qu'au fond, on se rend compte que les gens qui ou sont producteurs ou consommateurs de manière excessive et totalement folle vont un moment dans une sorte de rédemption, mortification, peut-être pour leur progéniture, les mettre dans des situations qui feraient qu'ils seraient purs. Alors, moi, je pense que... Alors, c'est intéressant, parce que moi, qui ai beaucoup travaillé sur qu'est-ce qui fait qu'on a peur, entre autres des jeux, je me suis, au début, lorsqu'on a commencé à parler de l'adolescent qui joue aux jeux vidéo, c'était assez drôle, on disait, oui, alors, vous vous rendez compte, il est tout rouge, il a les yeux tout rouges, il est tout seul, et il astique son joystick. Donc, je ne sais pas, vous imaginez à peu près de quoi je parle. Donc, on avait cette idée un petit peu d'un plaisir coupable. Et on a un gros souci, hein, vous savez, avec le plaisir, au-delà du... On peut être positif, mais avec le plaisir, c'est compliqué. Surtout s'il est solitaire. Hein, donc, alors maintenant, en plus, on joue seul, mais ensemble, online. Hein. Donc là, vous imaginez... Alors, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, pour moi, comme 10 jours sans télé... un jour sans portable. Alors, il y a pas mal d'opérations comme ça. Moi, le jour sans portable, déconnectez-vous, je préférerais qu'on me dise, tiens, une journée où on se force, par exemple, à saluer son voisin dans le métro. Je sais pas, on pourrait par exemple imaginer... parce que, au fond, de ce que j'ai pu comprendre de ces objets-là, c'est que c'est un révélateur, un amplificateur, un facilitateur. Mais l'être humain reste profondément plus fort que cet objet-là. Il va lui permettre, moi j'ai appelé ça le doudou sans fil à un moment, c'est-à-dire il va lui permettre de pallier à des sortes d'angoisses, de solitude, etc. Mais la réalité, c'est qu'il vient plutôt montrer à quel point nous sommes parfois tyrannisés. Par exemple, par les images, qui nous rappellent à quel point nous ne sommes pas à l'image de ce qu'il faudrait être. J'aimais bien cette phrase du grand philosophe Marcel Bidochon. Il disait, oui, la télé ne nous rend pas tout l'amour qu'on lui porte. Je la trouve excellente. Alors, je vais même plus loin. Je pense que la télévision est une hystérique. Elle nous allume. Elle nous donne à voir ce qu'on ne peut pas voir. J'ai travaillé à Pantin. On faisait des visites à domicile dans certaines familles où il y avait quand même du saturnisme, hein, donc c'est vraiment la grande pauvreté. Il y avait par contre un écran plasma immense qui éclairait toute cette famille, qui était venue en se disant, bah oui, on n'est pas venu pour rien, parce que vous voyez, l'habillage TF1 est tellement bien foutu qu'on a l'impression d'exister. C'est terrible. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'enveloppant parfois dans les images, dans l'impression d'être enveloppé. Je crois en effet qu'on les transforme. Et en même temps, d'après moi, voilà, elle est parfois un petit peu... Elle crée du manque aussi. Donc pour moi, cette expérience de gens qui produisent, comme vous dites, des flots d'images et qui finalement veulent préserver leur enfant dans une sorte de protectionnisme, et plutôt qu'ils ne se sentent pas très au clair, je pense, peut-être eux-mêmes, dans leur rapport à ce qu'ils produisent. Donc c'est là où ça devient inquiétant. Maintenant, avant, nous avions la zapette sur Internet où vous avez des clics. On peut cliquer comme on veut, hein, et on peut zapper comme on veut. Donc je crois qu'on reste quand même acteur et interacteur de notre rapport aux images. Après moi, c'est vrai que j'ai affaire à des gens que je reçois, que j'ai pu soigner, qui vont mal. Mais la plupart des êtres humains ont quand même une capacité, d'après moi, hein, à pouvoir choisir telle ou telle chose. Voilà. Je reste avec vous deux secondes. Oui. Vous parliez de plaisir, désir. À l'inverse, y a donc cette pulsion de mort dont on accuse les jeux vidéo de la répandre.
Et vous, vous aviez dans un des articles que vous aviez écrit il y a quelques années, cette réponse, vous disiez finalement la mort dans les jeux vidéo, elle n'est pas très intéressante puisqu'elle n'existe pas. En fait, c'est une mort pour de faux, je résume. Hein. Après tout, quand on meurt dans un jeu vidéo, on n'a qu'à rebooter le truc et puis on revient au tableau précédent et puis on recommence en fait. Et donc, c'est une mort qui n'existe pas. En revanche, la vraie mort dans un jeu vidéo, c'est quand on a fini le jeu vidéo offline. Quand on a passé tous les tableaux et qu'ensuite eh ben, on a un travail de deuil à faire. Est-ce qu'on peut revenir deux secondes avec vous sur cette idée de mort et de jeux vidéo et pourquoi c'est encore dans les inconscients? Pourquoi, sans faire de la caricature, c'est vraiment dans le présupposé médiatique des temps? Je me souviens à une conférence, il y a un père qui est venu, donc un père inquiet, hein, donc on avait dit, qui vient me dire, écoutez, voilà, hier, mon fils a assassiné 10 personnes. Quand même super inquiétant, et il dit, écoutez, pour moi, il a tué, il joue à un jeu qui s'appelle Assassin's Creed, et pour lui, le parent spectateur, voyant son fils joueur, il avait assassiné 20 personnes, il y avait une violence inouïe. C'est très compliqué parce que je pense que, je fais référence à une petite étude que Médiamétrie avait faite, il y a à peu près maintenant 7 ans, qui disait 90% des plus de 40 ans pensent que ce que dit le journal de TF1 est vrai. Donc ça, c'est très inquiétant, c'est beaucoup plus inquiétant, parce que ces gens-là, pour moi, on est païens. Nous sommes des païens. Les païens croient ce qu'ils voient. Et là où ça devient compliqué, c'est que quand ils voient sur la télé, c'est une des explications, son enfant qui, avec un réalisme, c'est des jeux quand même assez réalistes, exprime cette violence, pour lui, il y a quelque chose qui semble vrai. Maintenant, il faut bien comprendre que d'une manière générale, dans le jeu, c'est toujours été un espace de mise en scène de notre agressivité. Une petite fille qui joue avec sa poupée, comme vous le savez, à un moment ou à un autre, elle va pouvoir lui arracher une jambe, lui enfoncer un cutter, par exemple, j'exagère un peu, et elle va la recoiffer après, hein, on la recoiffe. Mais il y a toujours une émergence, et ce qu'il y a, c'est que nous, adultes, on a oublié tout ça. On est dans la comtesse de Ségur, là. Sophie fait brûler sa poupée de cire au soleil, et elle adore l'enterrement. Elle adore, bien sûr. Ça fait partie du jeu de l'enfant, et nous adultes, nous avons, semble-t-il, oublié cela, et nous ne supportons pas de le voir. Mais c'est vrai qu'on, moi, je pense que, et c'est la dimension très positive, c'est ce que j'ai tenté de dire, c'est que ces jeunes, cette jeune génération née avec Internet, qui à 10 ans savent utiliser Photoshop et qui ont compris que peut-être toute image peut être travaillée, ont un rapport, d'après moi, beaucoup plus mature que leurs propres parents qui pensent que ce que dit le journal de TF1 est vrai. En tout cas, c'est une idée, et j'ai tendance à penser, même de manière un peu ironique, puisque je m'amuse aussi à faire des petits jeux vidéo, et alors on a fait avec une collègue un jeu vidéo où il est possible de shooter le prince charmant. Hein, donc, bon, vous imaginez, ça s'appelle shootervosideos.com, et en gros, moi je me disais, voilà, la petite fille de 13 ans, elle s'amuse à shooter des princes charmants alors que sa mère, elle, l'attend désespérément sur Mythique. Vous voyez, il y a un petit souci. Il y a quelque chose d'un fossé générationnel qui est en train de se créer. Je pense que les jeunes générations sont en train, d'après moi, de, dans une désillusion constitutive, de nous montrer une voie intéressante dans notre rapport sacré aux images. Donc c'est ça que je trouve intéressant, c'est ça qui m'intéresse dans la jeune génération. Après, oui, il y a des jeunes qui parfois pensent qui vont utiliser malheureusement ces jeux vidéo violents comme un espace où ils peuvent redevenir acteurs et parfois, malheureusement, commettre des choses folles. Merci. François Bégodeau, parlons un peu cinéma. ça vous va? Moi, je me faisais la remarque. De plus en plus de films sont sans acteurs, sans êtres humains. La technologie permet, alors bon, des exemples récents, je pense à Tintin évidemment, mais on a aussi, au sens sans être vivant, on a le tigre chez Ang Lee dans Pi, dans l'Odyssée de Pi. Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de paradoxe à ce que la technologie, plus elle se renforce, et plus l'être humain disparaît des films? Est-ce que... c'est une thèse osée ou est-ce qu'on peut y aller dans cette thèse-là? Et de ce point de vue-là, est-ce que c'est pas un problème quand même, je veux dire, que l'humain s'efface derrière la technique?
Sans vouloir cultiver un esprit de contradiction nauséabond, ce qui est assez frappant dans l'histoire du cinéma, et Godard en parle très très bien, et il en parle avec dépit, il dit par rapport à toutes les possibilités qui étaient offertes par cet art, le montage, tout un tas de choses, on pouvait fabriquer des mondes avec le cinéma. Au bout du compte, aura triomphé, mais alors magistralement, et triomphe encore, une forme qu'on pourrait appeler humaniste ou humano-centrée. C'est-à-dire, en gros, des acteurs jouent des personnages qui nous racontent une histoire fictive et qui traversent de la réalité. C'est quand même encore maintenant la forme dominante, et elle a été toujours la forme dominante. Il y a eu un moment où ce qu'on appelle le cinéma expérimental, qui serait justement un cinéma qui tente un petit peu de se désaxer de cet humano-centrisme, par exemple le grand cinéma formaliste russe ou soviétique des années, il y a eu vraiment un âge d'or du cinéma soviétique qui était au service de la propagande, mais d'une certaine manière, peu importe pour ce qui nous intéresse aujourd'hui. Qui produisait des formes où il n'y avait pas forcément des hommes, il y avait des animaux qui croisaient, des formes abstraites, etc. Ce qui est très très frappant, c'est à quel point finalement la fibre expérimentale du cinéma est extrêmement minoritaire. Elle est dans des niches, quoi. Hein, et on reste quand même sur le truc. Alors c'est vrai qu'avec les mutations récentes, là, la 3D, la motion capture qui permet effectivement de fabriquer des créatures virtuelles à partir de gestes réels, nous emmène. Mais moi j'ai plutôt tendance à m'en réjouir comme spectateur de cinéma parce que ça multiplie les formes. Après, d'un point de vue anthropologique ou moral, vers quoi ça nous entraîne comme ça, que si cette forme-là devenait dominante, un cinéma qui peu à peu s'épurerait de l'humain, est-ce que c'est si grave? Je ne sais pas. Enfin, c'est de l'art, quoi, dont l'art doit nous proposer, disons, un rapport au monde un tout petit peu quand même différent de ce qu'est notre rapport au monde quotidien. On ne peut pas lui en vouloir. Je pense que qui s'est inquiété de ça? Sans doute, il s'est trouvé des gens pour s'en inquiéter, j'imagine, puisque à chaque nouveauté, il y a toujours une espèce de cœur réactionnaire. Mais quand l'abstraction en peinture est apparue, il y a des gens qui ont dénié à l'abstraction le fait d'être de la peinture. Ils ont dit, bon, c'est pas figuratif, ça ne représente rien, donc ce n'est pas de la peinture, c'est trop facile, tout ça. Moi, je le fais quand je veux. Le monochrome de Malevitch, c'est un peu quand je veux. Mais je ne crois pas qu'il y ait eu des gens pour s'inquiéter du fait que, mais qu'est-ce que c'est que ce truc pas humain? Est-ce que ça ne va pas créer, disons par induction, un monde déshumanisé? Parce que ça serait ça l'inquiétude. Moi, franchement, je pense qu'on a encore quelques décennies à passer avant d'en arriver là, j'ai l'impression. Pour l'instant, moi, ce que je peux dire dans ma position à moi, je me réjouis vraiment que la 3D, la motion capture et tout un tas comme ça, les effets spéciaux, les effets numériques, la palette numérique, aient un tout petit peu ouvert le champ de l'imaginaire du cinéma, quoi. Parce que moi, j'en ai quand même un peu marre, j'aime beaucoup, enfin, je dirais, même mes cinéastes préférés sont des gens qui racontent des histoires avec des personnages et fictifs, certes. Mais il y a quand même un moment où ça devient une forme bloquée, encadrée, encastrée, entravée. Pour l'instant, je pense qu'on est quand même au moment heureux de cette mutation-là, je dirais. Et je prolonge ma question. Alors, je sais bien que vous n'êtes pas un moraliste. Hein. Non. On a bien compris. Moi, on m'appelle plutôt le transfuge. C'est comme ça qu'on m'appelle dans le Far West. Je me disais ça aussi, figurez-vous. Vous savez, tout ce débat un peu moral, justement, sur les films qui font du bien. Est-ce que, je vais être un peu trivial, est-ce que ça vous emmerde, les films qui font du bien? Et c'est vraiment... Les films qui font du bien ont généralement du succès. Et est-ce que c'est presque un devoir dans une période... L'artiste n'a pas de devoir, mais est-ce que c'est un devoir dans une période comme la nôtre de tenter quand même de faire du bien en tant qu'artiste dans des films dont on sortirait avec la banane? Vraiment, s'il y a bien quelque chose qui ne concerne pas l'artiste, si artiste est un nom qui désigne quelque chose, c'est bien ça. L'artiste n'est pas quelqu'un qui est au service du bien public. Il est au service de l'art, de son art, des spectateurs qui considéreront son art ou des lecteurs. Et voilà, moi quand j'écris un livre, j'essaie de faire un livre qui me plaise et qui éventuellement, après... qui même me suivent. Alors vraiment, faire des livres qui seraient... Ça nous reconduirait... Il faudrait créer un ministère, un ministère qui serait dévolu à ça, c'est-à-dire un ministère du bonheur, où on paierait un certain nombre de personnes pour produire des œuvres qui, feraient en sorte que tout se passe bien. Enfin, c'est quand même le propre des dictatures, au bout du compte. Enfin, en Corée du Nord, j'imagine que les films de propagande doivent ressembler à ça, quoi. Ça doit se terminer en youpi, youpla boum, tout va bien, la Corée du Nord, c'est cool.
dont parlait David tout à l'heure. Ouais. Donc vraiment, non, vraiment, là, ça ne me paraît pas du tout la fonction de l'artiste, ou en tout cas son état d'esprit, ou son tempérament. Et ceux qui sont là-dedans me paraissent... Je vois bien qu'il y a des films qu'on commande de cette façon-là, c'est rarement les meilleurs. Ou alors, s'ils le sont bons, c'est plutôt à la marge de ça. Moi, j'aime plutôt le film Intouchable, je l'aime beaucoup. Il a été beaucoup glosé comme ça. Pourquoi ce succès? Parce que les gens aiment bien gloser le succès. Parce qu'en temps de crise... Ça rassure un peu qu'il puisse y avoir un peu de solidarité, de fraternité. Très bien, j'ai rien contre ce message que je trouve de bonne aloi, etc. Moi, c'est pas là que le film m'intéresse. Enfin, je trouve que c'est surtout un film qui a créé un duo dont on se souviendra dans 40 ans. Des duos comme on en voit rarement au cinéma. Voilà, Bourvil de Funès, Clavier, Junio, voilà, il y en a quelques-uns. Ce duo-là, Omar Sy, François Cluzet, moi, c'est ça que je vois à l'écran. Après, que ça me raconte que finalement, il faut savoir regarder les handicapés. Je n'ai pas besoin du cinéma pour me le dire, quoi. Je veux dire, il y a d'autres institutions pour ça, et mon sens moral n'a pas besoin de l'art. Donc vraiment, moi, je pense que l'art se restreint beaucoup quand il se subordonne à ce genre d'injonction. Ça, c'est vraiment des trucs, de santé publique, quoi, qui n'ont vraiment rien à voir avec ça. Et c'est vrai que c'est, en général, c'est très, très mauvais signe quand un artiste a cette intention-là. Parce qu'il arrive qu'une œuvre, un film ou un livre, je parle des œuvres majoritaires, ait cette incidence-là, qu'au bout du compte, le film fasse du bien. Mais quand on sent vraiment à chaque pas, j'ai lu récemment un livre qui en ce moment a beaucoup de succès, j'ai voulu voir qu'est-ce qui se passait dans ce livre, qui se vend beaucoup, et je sens à chaque pas, c'est le livre de Grégoire Delacour, qui s'appelle « La première chose qu'on regarde ». J'imagine qu'un certain nombre de vous l'ont lu, puisque c'est vraiment un raz-de-marée. Alors je voulais voir ce que c'était, puis je le rencontre bientôt, donc je voulais quand même lire son livre. Bon, on sent à chaque page l'intention de créer ce que j'appelle de l'art de consolation. Attention, vous êtes filmé. Non, mais je le dis en plus avec fraternité. Je veux dire, je ne peux pas lui en vouloir, mais d'abord, en plus, c'est quelqu'un qui, comme par hasard, mais je ne l'ai su qu'après en le Wikipédiant, qui vient de la publicité. Bah, d'une certaine manière, j'aurais pu le deviner en lisant son livre. Et il est évident qu'il perd en littérature ce qu'il veut gagner en intention de consolation. Donc, en gros, une femme déchirée et en manque, et blessée par la vie et cabossée par la vie, rencontre un homme déchiré, en manque, cabossé par la vie, et à eux deux, ils sauront pallier mutuellement leur manque. Et à la fin, ça sera cool. Alors, cela dit, comme il a senti que c'était un tout petit peu trop con et un tout petit peu trop putassier, il fait qu'à la fin, la fille prend une bagnole et se jette contre un arbre. J'ai pas compris pourquoi, mais je pense que... Chez lui, ça a été une sorte de scrupule de dire non, c'est quand même un alors, tout petit peu... Alors en fait, là, vous spoiliez grave la fin. Et puis surtout, c'est un vrai hommage à Godard. Probablement. Voilà, mais c'est ça, effectivement. C'est un hommage au mépris, effectivement. Alors, David, avant de laisser la parole à notre brillant panel qui est juste ici, sous mes yeux, et aux étudiants de l'ISTH, que je salue, car j'ai moi-même fait l'ISTH. Pareil, là, je vous pose vraiment la question en tant qu'artiste, puisque en fait, dans votre vie de photographe, il n'y a pas que LOL Project, il y a votre, j'imagine, gagne-pain, si on peut l'appeler comme ça. Vous faites de la pub, de la mode. Est-ce que vous vous sentez schizo quand vous faites le LOL Project? Est-ce que d'un côté, est-ce que vous avez le sentiment d'un côté de manipuler les foules, puisqu'en fait vous faites de la pub et de la mode, et sans doute à bon escient, puisque c'est aussi un art, j'imagine, et d'être réversible dans votre travail humain, militant, profond. Et comment vous le vivez, et est-ce que c'est difficile à vivre? Il est compliqué quand même. Hein. Alors. Il est énorme. Avant de répondre à cette question, je n'ai pas tout compris, mais je vais répondre. Vous allez voir avec les étudiants, après, ça va être pire. François vient quand même de donner la fin du bouquin précédent, hein, donc je vous le dis comme ça. Ça, c'est... Voilà. Donc, est-ce que tu pourrais redire la question? Ouais. La question, comment... mais de manière simple, courte, parce que j'ai que deux neurones disponibles. Vous êtes photographe humaniste, en même temps, vous faites de la pub. Comment ça marche? Voilà. Alors, d'abord, l'éveil de ma conscience, elle est récente. Hein. C'est la crise de la quarantaine. Donc, avant ça, moi, je croyais que le monde, c'était de faire des photos de jolies filles sur des plages à moitié nues, comme tout le monde. Et en plus d'être super bien payé pour ça et d'être adulé par des foules.
Enfin, je m'arrête là, c'est pas tout à fait ça, mais c'est après là, je me réveille en général dans le rêve. Et c'est vrai que c'est un métier photographe qui a beaucoup changé. D'abord, la pub permet une liberté. C'est pas la liberté de faire des images de pub, c'est la liberté de l'argent de la pub. C'était la liberté de l'argent de la pub qui vous permet tout simplement de vous permettre de faire des projets personnels, type le LOL Project, qui pour moi a beaucoup plus de sens. Maintenant, quand vous faites de la pub, vous êtes au service d'une agence qui elle-même a gagné et conquis, et parfois de manière très très dure, un budget avec un directeur artistique de création, enfin c'est un grand monde, où à la fin vous êtes le dernier petit maillon qui allait faire enfin cette image que tout le monde attend. Et donc vous avez intérêt d'être dit « secure ». Ça veut dire qu'il n'y a pas intérêt à vous louper, c'est pour ça qu'on vous paye cher. Donc, tant mieux, c'est moyen, le moyen de faire de la pub ou de la mode vous permet tout simplement de faire autre chose. Maintenant, le côté schizophrénique, c'est un boulot, c'est un métier, c'est tout simplement un beau métier d'ailleurs. En général, tous mes amis me disent « qu'est-ce que c'est dur d'aller aux Maldives ?» Mais en même temps, c'est difficile de faire des maillots l'hiver, place de la Concorde. Et donc, c'est vrai que c'est un beau métier. Il y a pire, on peut pousser des wagonnets dans la mine. Moi, j'ai choisi celui-là. Donc, en même temps, j'essaye de donner un peu de sens aussi, non pas à la photographie. Je rejoins un peu François quand il dit, ben, c'est pas à nous à dire si on est des artistes ou pas. Nous, on fait les choses parce qu'on les ressent, on les sent. On écrit un livre avec ses tripes et puis un jour, quelqu'un a envie de l'adapter. On fait marrer ses amis. D'une certaine manière, on se rend compte que, tiens, ça donne du sens. Les gens vous appellent en disant, moi aussi, j'en veux de mon LOL. Et vous publiez ça sur Facebook. Ça commence par 2, 10, 100. Et ça arrive à plus de 50 000 fans aujourd'hui qui suivent ce projet. Et j'espère que ça va continuer. Donc, vous dites, tiens, ça sert peut-être à quelque chose. Voilà. C'est aussi simple que ça. Comme quoi, ma question n'était pas si compliquée. Elle était vachement bien. Jeune panel, avez-vous des choses à dire? Jeunes étudiants de l'ISTH. Ensuite, évidemment, bien sûr, je vous laisserai la parole à vous tous. Hein. Il nous reste, je dirais, une petite demi-heure. Alors, bonjour, je m'appelle Anne Audrey. Donc, je suis étudiante à l'ISTH et j'aurais une question pour Monsieur Stora. Est-ce que finalement les images dans notre société contemporaine, celles plus particulièrement que vous étudiez, est-ce qu'elles n'ont pas déstructuré la psyché humaine? Oui. Alors j'avais... oui, c'est vrai que j'avais lu cette question-là. J'aurais dû vous en parler avant parce que j'ai pas très... Donc pour vous, au fond, vous êtes en train de dire que donc les nouvelles images, par exemple, c'est ça? Pour préciser, tout à l'heure, vous disiez que justement, quand l'enfant jouait avec un jeu vidéo, il pouvait se constituer se voir autrement dans le jeu vidéo. Moi, ma question, c'est est-ce que finalement, on ne fuit pas vraiment notre personnalité? Est-ce qu'on ne se constitue pas une autre personnalité à travers le jeu vidéo? Alors c'est marrant parce que juste avant on parlait de schizophrénie, donc là vous faites référence d'une certaine manière à cette idée que le schizophrène aurait cette forme de scission en lui qui ferait qu'il pourrait être toute la journée poli et hypocrite et le soir jouer à Call of Duty et devenir un guerrier fou. Donc c'est à peu près ce que je fais moi-même, je tiens à le préciser, parfois j'aime avoir des espaces où je joue. En gros, je pense pas que ça, ce qu'il faut. Alors, c'est intéressant ce qu'on parle de littérature. Moi, je suis un grand fan de Romain Gary. La promesse de l'aube, cette mère juive russe dit à son fils, tu seras un grand poète, un grand guerrier, etc. C'est une manière d'envisager son enfant comme une image. Il a été imaginé comme une image. Et quand vous lisez Votre ticket n'est plus valable au-delà de cette limite, qui est un de ses derniers romans, vous comprenez qu'il a des graves troubles de l'érection, il en est mort, il s'est suicidé après. On pourrait se dire de manière folle, c'est que moi, ce que je repère de plus en plus dans notre société, c'est que beaucoup de jeunes sont envisagés comme des images de performance et de réussite à tout prix. Et ça, c'est du côté de l'image que ça se situe. C'est très terriblement tyrannique, parce que là-dedans, au fond, vous ne devenez qu'un idéal. C'est la question de l'idéal.
Donc un enfant idéal. Le gros problème, c'est que ce n'est pas possible sur la longueur. Même si Romain Gary a eu deux fois le prix Goncourt, il a été lui-même ambassadeur de France aux États-Unis, je crois, hein, oui, je pense, consulat. Il a été héros de guerre, etc. Alors, ce qui est compliqué, c'est que moi, ce que je repère, c'est que est-ce que les parents, la parentalité a évolué ? On dit depuis 20-30 ans, il y a une sorte de un côté très narcissique qu'on repère dans notre société comme ça, qui fait que parfois l'enfant devient une sorte de prolongation des enjeux narcissiques. Et ça laisse peu de place à l'enfant pour rater, pour perdre. Je me souviens d'un de mes petits patients qui me disait « Moi, je suis le premier de ma classe en indiscipline. » Donc voilà, je pense que dans les histoires d'école, on retrouve ces histoires de « Au moins, je suis le premier des cancres. » Qui a envie d'accepter d'être nul ? Donc je crois que c'est ça le problème. C'est cette tendance à vouloir à tyranniser. Alors, et c'est assez amusant puisque je me suis retrouvé dans une commission ministérielle sur l'introduction ou non du jeu vidéo à l'école. Vous voyez, vous imaginez. Et alors, je me suis dit que ce qui est très intéressant dans le jeu vidéo, pour ceux qui ont déjà joué ici, et d'ailleurs, je me permets juste une petite question. Qui ici a déjà joué à un jeu vidéo ? C'est possible de lever la main ? Ah oui, quand même, hein. C'est pas mal. Oui, bah oui. En gros, il y a une chose très rare dans le jeu vidéo, je parle des jeux online, c'est que c'est en perdant qu'on apprend à gagner. Vous passez votre temps à perdre dans les jeux, en gros, hein, et vous devez recommencer. Et alors qu'à l'école, quand on perd, en général on perd. On a une sale note et elle nous suit, elle nous poursuit. Donc ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il faut qu'on ait des espaces où on persévère, mais avec quelque chose d'important qui ne va pas nous stigmatiser, qui va nous permettre parfois d'accepter de perdre, avec une chose essentielle dans notre vie, c'est la valorisation. On a tous besoin d'être valorisés, d'après moi. Donc c'est vrai que ça reste aussi une question d'image. Donc pour répondre de manière simple à votre question, je dirais non. Je ne pense pas que ça vient déstructurer la psyché humaine, mais ce qui peut déstructurer, c'est quand même la première des choses qui fait que nous existons, c'est finalement nos repères, nos parents, mais eux-mêmes pris dans une société. Donc ce qui est vrai, c'est que, c'est pas très positif, hein, parce que je crois qu'on est censé être vachement positif, là, mais je vais être très rapide. Ce que je crois profondément, c'est que c'est intéressant, justement, le jeu vidéo, ou même toute cette culture Internet, de pouvoir à nouveau redevenir acteur de sa vie. Parfois de manière folle, puisque j'ai soigné aussi des accros. Voilà. Une question de notre panel. Bonjour, je m'appelle Pauline, je suis également élève à l'ISTH. Il faut parler bien fort dans le micro, oui. En fait. Donc j'ai une question pour David Ken. Pensez-vous, en tant que professionnel de la photo, qu'il convient mieux d'utiliser des images chocs comme le travail de Kevin Carter, la photo pour National Geographic, pour sensibiliser les consciences à l'environnement et aux problèmes sociaux, au contraire, des images plus douces, comme les vôtres, avec le LOL Project, peuvent suffire à donner des résultats à long terme sur les consciences. Alors, je pense que vous faites appel à la photo de l'enfant et le vautour. Donc, Kevin Kartner fait une photo avec, il faut juste imaginer l'image, un petit enfant à l'avant-plan, un vautour au fond qui regarde cet enfant, on est au Biafra et il va mourir. Donc, on est un peu loin du LOL Project, on va y revenir. Néanmoins, c'est vraiment un grand écart. Si on cadre cette image comme il l'a cadrée, c'est qu'il a choisi cette image-là étant la symbolique de ce qu'il vivait. Donc, il a interprété, il a manipulé peut-être ce qu'il a vu. Et cette image a été un WordPress, et évidemment... très grande image parce qu'elle symbolise quelque chose d'horrible. Mais comment symboliser l'horrible en faisant quelque chose, une belle image ? C'est le paradoxe absolu. On fait une belle image de quelque chose d'horrible. Vous imaginez ? Et tous les WordPress en témoignent. C'est des très grands photographes qui sont, pour moi, c'est eux les grands photographes. Ils n'ont pas le temps de réfléchir dans le sens de l'action pure, de l'instinct pur. Ils sont aiguisés. Et ces gens-là, il faut juste s'imaginer qu'eux
gagne globalement en faisant ce genre de reportage en immersion ce qu'un paparazzi va faire en faisant Carla et Nicolas sortant du Fouquet's. Une image, eux, un an de travail. Donc c'est juste pour remettre un peu à leur place les vraies valeurs. Malheureusement, ce grand photographe est mort juste après, je pense, autour de 32 ans, par là. Voilà. Alors, cette image-là, elle a marqué tout de suite. Si on y revient, est-ce que les gens s'en souviennent? Je ne sais pas. Alors, je pense que le positif marque beaucoup plus longtemps. La répétition de l'expérience positive, quelle qu'elle soit, marque. Et le positif collectif, ben c'est quelque chose de vertueux. Je reviens toujours, puisque vous me parlez du LOL par rapport à le LOL Project par rapport à cette image, j'ai aucune prétention de faire mieux. C'est totalement différent. Je crois dans l'humain. Donc je crois dans ce que l'humain a de meilleur. A de meilleurs à offrir, de meilleurs à passer au suivant. Pour moi, un LOL, c'est un éclat de rire, un lâcher prise, c'est une manière de dire je passe au suivant. Si on fait tout ça, et si on passe tous au suivant, vous allez voir que ça fait vraiment du bien. En tout cas, ce que j'ai vécu, donc plus de 3000 rencontres, je vous le disais tout à l'heure, c'est la première chose que les gens disent en sortant de là, c'est oh, ça fait du bien, c'est meilleur qu'un steak, ça devrait être remboursé par la sécu, etc. Donc ça veut dire une chose, c'est vécu, c'est pas une posture, c'est réel, et on a tous lâché prise avec nos proches, nos enfants, bourrés parfois, pour certains. Mais en attendant, il n'y avait pas de photographe pour montrer cette image de l'humain. C'est assez rare, des photos de vacances parfois. Donc si vous accumulez sur un grand mur, et pas le mur des cons, mais un grand mur, de gens vraiment positifs et sincères, je pense que ça fait du bien collectivement. Donc peut-être, un petit peu, ça fait un petit peu avancer les choses. Une dernière question peut-être ? Bonjour, je m'appelle Valentin Schmitt. Je ne suis pas à l'ISTH, désolé, mais je suis quand même dans le panel, je me suis incrusté. Donc, j'ai une question pour la preuve. Parce que contrairement à ce qu'a dit le transfuge qui refuse tout rôle social de l'artiste, je sais. Enfin, ce que vous avez dit, c'est que vous faisiez un livre pour vous avant de le faire pour les autres et après, qui même me suivent. Là, on voit que dans le LOL Project, il y a plus un. Enfin, il y a une visée sociale. Est-ce que. Quelle est votre visée sociale? Est-ce que vous pensez qu'il y a un rôle social de l'artiste? Pour être court. Je vais vous décevoir, mais je pense que le rôle social, c'est vous qui le donnez. Parce que ce serait très, très prétentieux pour un artiste, photographe ou autre, ou écrivain, de dire « je vais écrire ce livre parce que je vais changer le monde ». Alors là, c'est à l'insu de son plein gré si ça arrive. Hein. En tout cas, en ce qui me concerne, c'était d'abord une envie, une expérience. Et j'ai vu qu'il y avait une preuve. La preuve, elle m'est venue un jour en allant dans un hôpital et en faisant le LOL Project avec des patients au service d'oncologie de l'hôpital de Garches, où j'ai vu tout simplement un enfant, enfin un jeune ado, Jonathan, je vais le citer ici, qui me dit « J'adore ce que vous faites, mais j'ai pari depuis 2 ans. » Alors là, je me suis dit... Bon, ça commence fort. C'était la première fois que j'allais dans un hôpital. Et là, il n'est pas question, vous vous rendez compte, en une fraction de seconde, que vous avez même une responsabilité. Parce que si lui, il aime ces photos-là, mais que vous n'y arrivez pas avec lui, ça va être encore pire pour lui que pour quelqu'un qui va très bien. Bon, c'est pas grave. Je passe à autre chose. Et sa maman, Joël, était pas loin. Et on commence. Et au bout de 3-4 minutes, il commence à sourire. Et puis il lâche prise, mais c'était énorme, c'était juste fantastique. Et au même moment, j'ai entendu sa maman, Joël, qui tombait en sanglots et qui me dit « j'ai pas entendu mon fils rire depuis 2 ans ». Jonathan, il était atteint quand même du cancer. Donc le fait de rire lui a fait du bien ensuite, parce qu'on en a parlé, il a vu son image positive.
Il ne s'était pas vu positif, il se voyait avec des fils, avec la chimio, avec ceci, etc. Et sa mère, ça lui a fait du bien aussi, parce qu'elle a vu une réaction immédiate de mère. Et c'est là où je me suis dit, peut-être que ça fait du bien. Et quand j'ai offert à l'hôpital de Garches, avec tous les gens formidables qui est là-bas, des tirages de cette séance, ils l'ont eux-mêmes, ils ont mis les images en forme de mosaïque dans leur endroit de vie. Ils ont collé leurs images de l'un à côté de l'autre. Ils ne les ont pas gardées pour eux, ils n'ont même pas ramené chez eux. Ils ont fait une sorte de mosaïque. Et c'est de là qu'est venue l'idée des mosaïques LOL dans les hôpitaux. Donc, ça vient toujours de l'expérience. Je n'ai pas du tout pensé une fraction de seconde. Alors, au début, marketing, je vais faire un truc extraordinaire. On va changer la planète. Bon, il y a eu Gandhi pour ça, mais je ne suis absolument pas Gandhi. Il y a quelque chose, Juris ? Tout à fait. Préciser ma pensée, parce que j'ai été un peu comprimé, pas. Enfin voilà, il faut que je précise. Non, ce que je crois, de quoi est-ce qu'on parle ? C'est-à-dire que moi, j'attends d'un. Pour moi, la politique de l'art, c'est quoi ? C'est de faire des bonnes œuvres. C'est vraiment ça. À la rigueur, et en dernière instance, ça devient un rôle social. Si dans une société donnée, il y a des œuvres d'art intéressantes, je ne sais pas si ça fait du bien aux gens au sens où ça ferait du bien au sens où on est content, on est heureux. Mais c'est de la vie en plus, c'est de la qualité en plus, c'est de l'intensité en plus. Donc bon, de ce point de vue-là, oui. Mais ce dont je me méfie beaucoup, c'est les artistes qui subordonnent à la cause esthétique, la cause de l'art, une autre cause. Enfin, qui la subordonnent à une autre cause. Et on sait bien ce que ça donne. Ça donne au pire l'art de propagande. Je passe. Ça donne aussi ce qu'on pourrait appeler, par exemple, en cinéma, le cinéma militant n'a jamais rien produit de très, très intéressant en termes de cinéma, parce qu'on voit bien qu'il est moins requis par le fait de créer une œuvre intéressante que de mettre son art au service d'autres choses. Et dans ce cas-là, pourquoi pas ? Mais on sait bien que le cinéma va y perdre. Je pense que, et il me semble qu'en plus, il y a quelque chose de fondamentalement contradictoire entre ce qui serait l'utilité sociale de quelque chose et l'art. L'art, pour moi, il s'agit de déplier des complexités. C'est-à-dire qu'on ne fait pas d'œuvre avec des certitudes. On essaie de rendre compte d'une complexité par rapport à un sujet donné. Dans l'utilité sociale, c'est le contraire. Pour être utile socialement, il faut que j'ai une certitude. Il faut que je sois absolument sûr que ça, c'est juste. Il faut que je sois absolument sûr pour moi-même que c'est juste d'aller aider des sans-papiers à ne pas se faire expulser. Il faut que je sois absolument sûr pour moi-même qu'il est juste d'aller signer une pétition en faveur de tel ou tel. Et c'est très bien. J'aime assez les gens qui ont part à ce genre d'activité. Mais alors vraiment, ça me paraît très contradictoire avec ce qui me semble être l'art, à savoir, au contraire, essayer de tisser des complexités, ce qui est vraiment autre chose. Donc ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas aller les deux ensemble. Mais je connais très très peu d'exemples, par exemple dans l'histoire du cinéma, pour parler d'un art que je connais bien, de cinéma qui ait eu l'intention comme ça d'une certaine utilité sociale et qui, au bout du compte, ait aussi gagné sur le tableau de l'art. Einstein n'est pas exactement un cinéaste, par exemple, si. Eisenstein, certes. C'est vraiment un exemple très, très, très spécifique, quoi. Effectivement, le grand soviétique Eisenstein. Même si je pense qu'on pourrait dire qu'Octobre est un film qui serait encore meilleur s'il n'avait pas été aussi tenu de dire à un moment « Lénine, c'est super » et « Vive les bolcheviks ». Il y a quand même un moment où ça le restreint. Ah ben voilà. Non, mais c'est vrai. Moi, je dois pas intervenir, mais... Alors, absolument. Alors maintenant, cher public, vous avez la parole. Et donc, à ma gauche, je vous en prie. Il nous reste une bonne dizaine de minutes, hein, juste pour que vous le sachiez. Oui, en fait, j'avais deux questions, et là, il y en a une seconde qui est venue en écoutant François Bégodeau. Dans quelle catégorie il mettrait le documentaire ? Et secondement... j'ai une question à propos des dirigeants de sociétés informatiques qui mettent les enfants dans des écoles Waldorf. En fait, on peut quand même se poser la question. Enfin, moi, j'ai pas mal de gens dans mon entourage qui ont des enfants entre 4 et 6 ans qui sont complètement accros quand leurs parents veulent avoir la paix. Ils leur donnent leur iPhone avec un jeu, par exemple Angry Birds ou ce type de jeu. Et les enfants sont complètement accros aux écrans. C'est-à-dire que... quand ils n'ont pas d'écran, ils sont éteints et on a l'impression qu'ils s'allument uniquement quand on leur met le iPhone entre les mains.
Alors, Monsieur Storet, tout à l'heure, vous parliez. Après, je pense qu'effectivement, dans les jeux, dans l'informatique, il y a pas mal de. Enfin, il y a pas mal d'infinités de possibilités d'apprentissage, mais est-ce qu'à un âge si jeune, c'est vraiment utile de mettre des écrans dans les mains des enfants? Là, vous sortiez l'exemple des adolescents, mais un adolescent et un enfant de 4 ans, c'est deux choses différentes, quoi. C'est, je pense qu'il y a eu des études sur le cerveau qui démontraient qu'abuser d'écran puis avoir des temps de concentration aussi courts, ça nuisait au développement cérébral, tout simplement. Et peut-être à le moyen ou long terme. Okay. Merci. Alors, rapidement sur le docu, François. Et ensuite, ce que j'ai essayé de dire sur le cinéma vaudrait pour le docu aussi, hein, en tant que genre à part entière du cinéma. J'ai un exemple en tête précis, parce que le documentaire en général, ça serait vraiment trop, disons, vaseux de l'envisager comme ça. C'est le fameux documentaire sur les perches, qui s'appelait Les Perches du Nil, je crois, je ne sais plus, enfin, de Hubert Soper, sur ce qui se passe, ce qui s'est passé dans le lac Victoria en Tanzanie, etc., où il y a une espèce de manipulation génétique venant essentiellement des Européens qui a appauvri. Bon, moi, j'avais lu un livre qui, par ailleurs, contestait ce film. Le cauchemar de Darwin, c'est ça, voilà, où il est question de l'introduction des perches du Nil dans un lac pour, et qui aurait déstructuré l'écosystème local au nom d'intérêts économiques et supérieurs. Non, mais je ne connais pas, moi, le dossier, mais j'avais lu un livre qui contestait la thèse du documentaire et en montrant quand même qu'il y avait un certain forçage dans la démonstration. Et c'est vrai que le documentaire, moi, je le trouvais, je n'avais pas d'avis sur la question, je ne connaissais pas le dossier, donc je le prenais pour argent comptant. Je disais, mais ce qu'il me raconte, ce scandale-là, est sans doute très vrai. En revanche, je le trouvais particulièrement putassier dans sa méthode. Je trouvais que ce n'était pas un bon documentaire en tant que documentaire, parce qu'il avait comme ça une ligne droite, il avait recours à l'émotion de façon un tout petit peu obscène, il faisait des gros plans sur des Africains qui pleuraient. Moi, je n'aime pas qu'on me prenne en otage de cette façon-là. Donc, on voyait bien que Hubert Soper, qui est par ailleurs un documentariste pas nul du tout, était avant tout désireux de démontrer quelque chose, et que du coup, son documentaire, en tant que documentaire, était plus faible. Et je me souviens de lui-même répondant à celui qui avait écrit ce livre pour contester un petit peu la véracité d'un certain nombre de démonstrations, et là je ne rentre pas dans ce débat, et de Hubert Soper disant, oui mais l'important, il reconnaissait qu'il avait un peu manipulé parfois, un peu triché avec certains faits, micro, hein, à la marge, mais que c'était au nom d'une bonne cause. Et au nom d'une bonne cause, on peut se permettre ces petits arrangements avec la vérité. Alors là pour moi, ça le sanctionnait comme quelqu'un qui n'avait vraiment pas l'esprit documentaire tel que moi j'attends qu'un documentaire soit, c'est-à-dire de mettre la vérité par-dessus tout et l'honnêteté par-dessus tout. Là, il avait dit la cause est tellement juste que je peux me permettre un certain nombre d'arrangements. Alors là, je me suis dit que ce n'est pas un documentariste. Non, en fait, je suis vraiment désolé, monsieur. On va... Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont devoir parler. Je suis vraiment confus. Désolé, peut-être vous pourrez avoir le débat après. Je me permets de donner la parole à Monsieur Storet à ma gauche, et ensuite de reprendre d'autres questions dans la salle. Moi, je vais être rapide. Donc, dans peut-on votre... calmer les enfants, en fait, hein, c'est un peu ça l'idée. Hein. Oui, bon, avant la nurse digitale, il y avait la nurse cathodique. Bon. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a un pouvoir de captation très fort. Alors, je vais être rapide. L'Académie des sciences de médecine, là, il y a quelques mois, a sorti ses recommandations. Et je suis tombé des nues, puisqu'ils disent qu'en effet, il faut maintenant que l'enfant avant 3 ans, surtout, évite la télé, mais aille devant les tablettes. Donc, parce qu'au moins, il est interactif et au moins, il est stimulé. Donc, pour moi, ça va dans le sens d'une dérive folle, c'est-à-dire cette sorte de surstimulation, de faire des enfants des champions, toute catégorie des compétences cognitives. L'autre chose encore plus folle, c'est qu'il est dit qu'il est important que l'enfant, à l'âge de 6 ans, sache s'autoréguler dans son rapport aux écrans. Donc, je me suis dit qu'à la limite, il pouvait aussi se raconter sa propre histoire, le soir, voir sa propre berceuse. Donc, il y a quelque chose d'assez fou. Je pense que l'Académie de médecine s'est totalement fourvoyée. Bon, maintenant, c'est un enjeu d'autorité, comme un autre. Donc, après, c'est une question de limite, mais c'est évident que c'est assez captivant d'avoir cette possibilité de toucher les images. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. À l'attention de Monsieur Bégodeau, est-ce que, selon vous, la libération de nos sociétés, de nos mœurs par l'image, ne nous a pas conduit à un enfermement, enfin, ne nous a pas enfermés dans un nouveau mode de pensée, en fait? Ça aurait pu déstructurer la psyché, par exemple. Moi, je n'ai pas, je,
non seulement moi, je n'ai pas les compétences, mais je pense que personne ne peut prétendre avoir la compétence de résoudre cette question, enfin d'y répondre. 6 milliards d'êtres humains, qu'est-ce que je sais, moi, de ce qui se passe dans le cerveau de 6 milliards d'êtres humains? Il faudra vraiment prendre au cas par cas. Moi, j'ai une hygiène intellectuelle par rapport à ces macro-questions, c'est-à-dire pour moi-même, déjà, et que chacun s'interroge, fasse sa petite autobiographie par rapport aux images. Ben moi, pour moi-même, mais ça n'engage que moi, les images, je crois, m'ont beaucoup plus épanoui que l'inverse. Sans les images, je n'aurais pas découvert Jean-Luc Godard un soir de 86. Sans les images, sans la télévision, je n'aurais pas découvert, je ne sais pas, un certain nombre de divertissements. Le sport, par exemple, là, finalement, la télé qui est quand même... J'entends encore des intellectuels se demander quelle sera la télé nous manipule ça. Il faudrait quand même leur dire, il faudrait les réveiller ces gens. La télé, c'est fini. Enfin, je veux dire, je pense que vous êtes au courant, vous êtes jeune. La télé, c'est fini dans 5 ans. Mais il y a encore des gens qui écrivent des livres sur attention, la télé nous manipule. C'est fini, la télé, les gens ne la regardent plus. C'est ma mère qui la regarde, elle a 82 ans. Enfin voilà, et je l'adore, mais bon, Derrick, Joséphine Ange Gardien. Enfin voilà, c'est le grand crépuscule de cette chose formidable qu'aura été la télé et qui aura été formidable pour moi. Elle m'a vraiment éduqué à plein de choses. Je pense que j'ai découvert la politique à la télé. Je le raconte dans mon dernier livre parce que je fais une autobiographie politique. Un nœud fondamental de cet épanouissement politique, de cette émancipation politique, ça a été de regarder Droit de réponse tous les samedis, ce qui était une émission que vous ne pouvez pas connaître, vous les moins de 20 ans, mais qui nous autres, les plus de 40 ans, nous a beaucoup marqués, etc. etc. La politique, d'ailleurs, se passe beaucoup à la télévision. Moi, quand j'entends dire que ça serait bien de lancer un grand débat national sur telle question, où voulez-vous qu'il ait lieu, si ce n'est à la télévision, si ce n'est dans un forum d'images qui permettrait que chacun des citoyens puisse le considérer. Donc, pour moi-même, je trouve que l'image m'aura plutôt ouvert sur le monde, proposé. Je trouve qu'il y a toujours de la documentation dans une image en plus. Même quand ce que j'essayais d'expliquer à mes élèves à une époque, quand je faisais un petit peu d'éducation à l'image, je leur disais, même quand une image ment, elle documente quand même son mensonge. C'est très intéressant. Donc il y a toujours une part de vrai dans une image. C'est comment ça ment. Et donc il y a toujours quelque chose à voir dans une image. Et après, évidemment, il faut en être conscient. Après, je finis juste très, très brièvement. Cette histoire de manipulation des images ou de ça nous fait du mal, ça peut nous faire du tort, j'ai l'impression que c'est toujours les autres. C'est-à-dire que quand vous demandez à quelqu'un, par exemple, est-ce que tu crois qu'Internet, ça rend les gens dingues? Le mec dit, ouais, bien sûr, je crois que vraiment, là, Internet est un gros fléau pour le monde. Et après, tu lui dis, mais toi, tu utilises Internet. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Parce que moi, je suis un peu conscient. Moi, j'ai lu des livres. Moi, je veux dire, je suis un citoyen à distance. Enfin, j'ai un recul critique. Il y a des pauvres gens qui n'ont pas de recul critique. Donc, en général, les gens qui s'expriment sur ces sujets-là, je suis très content d'entendre M. Stora parler comme il parle, vraiment. Parce que je me sens très, très proche de ce mode d'esprit. Sont toujours un peu genre, c'est très dangereux, mais pour les autres, quoi. C'est-à-dire pour les cons, en fait. Et moi qui ne suis pas con, eh ben moi je ne suis pas manipulé. Donc il faut se méfier, je crois. David, un petit mot. Oui, je pensais que tu avais oublié le journal du Hard sur Canal+. Oui, on apprend des choses aussi. Tout à fait. Et le film qui suivait. En fait, c'était éducatif. Surtout encrypté. Je vous rappelle que nous sommes dans une enceinte intellectuelle. Qu'on est censé avoir un vrai débat. C'était le sens de votre intervention. Bien sûr. Nous sommes d'accord. Bien sûr. C'était tout. Donc je peux donner la parole au public maintenant. Ok, merci. Là-bas. Bonjour. C'est révolutionnaire. Moi, je voudrais avoir votre avis sur les publicités Benetton d'il y a une dizaine d'années, où on voyait par exemple une image très forte et une publicité et la pub de Benetton, enfin le logo Benetton juste après. Juste pour rappeler, c'était par exemple un malade du sida en phase terminale qui allait mourir. Et donc, on prenait la photo du monsieur qui allait mourir et en dessous, on mettait Benetton. Voilà. Vous parlez des photos d'Olivero Toscani de... Oui, je crois qu'il s'appelle comme ça. OK. Donc, vous me demandez mon avis sur les publicités Benetton. Non, votre avis sur l'utilisation là de ces images fortes et de la pub en même temps. Parce que, en fait, c'était l'évolution des consciences. Donc, je veux savoir ce que vous en pensez. Je sais pas, moi, c'est votre Alors, avis. Je vais vous répondre. J'ai un avis tout simple, c'est que j'ai eu la chance de croiser, rencontrer et déconner d'ailleurs avec un gars qui s'appelle Olivero Toscani, donc le photographe dont vous parlez, qui pour moi est un grand photographe, qui a cherché à aussi donner un peu de sens avec un client qui s'appelle Benetton.
et de temps en temps aller même au risque d'aller parfois trop loin, donc de choquer. Mais il a apporté des choses qu'il n'y avait pas avant lui, donc dans la publicité, j'entends. Donc rien que pour ça, je dis bravo. Je crois que c'est clair. Une dernière question et puis ensuite nous allons nous quitter. Alors au hasard, vous. Bonjour, j'ai une question par rapport à l'évolution des consciences pour un monde plus environnemental, parce que, enfin plus écologique, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a un effet de mode de l'environnement et on a disons que le message environnemental est souvent en vert, c'est à un point qui passe même un peu inaperçu, ça passe comme ça, on ne se rend pas même plus compte. Donc est-ce que vous avez des idées pour des stratégies en fait pour donner plus de visibilité au message environnemental, voilà, par l'image. Merci. Alors, comme c'était un peu sourd, est-ce que, en fait, ce sera peut-être le mot de la fin pour chacun d'entre vous, peut-être que vous avez une minute pour conclure, votre stratégie, c'est ça hein, la question, quelle est votre stratégie personnelle, si vous en avez une, bien sûr, pour aller dans le sens de l'évolution des consciences, hein, j'ai bien résumé. À caractère environnemental. Oui, voilà, c'est ça. Plutôt pour voir donc quelles sont au niveau de l'image, quelles innovations pourrait y avoir dans la présentation de l'environnement. Est-ce que par exemple on va toujours s'axer sur la couleur verte ou est-ce qu'on devrait voir d'autres façons d'autres images pour que ce soit plus pertinent en fait et plus visible surtout. Qui veut répondre en premier? Moi, je propose François. Je vais juste. C'est le genre de question où on ne peut pas répondre en 30 secondes. Il y a un excellent directeur de création qui est par là, qui s'appelle William Lafarge, c'est son métier, de réfléchir à ce genre de choses. Mais pourquoi pas bleu, hein. Enfin, moi, franchement, la pluie, elle mouille. La couleur bleue, c'est la mer. Enfin, en 2 secondes, je ne peux pas vous répondre à cette question, mais je comprends qu'on peut banaliser un message à force de voir du vert partout. On pense à cet élément, hein, mais ce n'est pas écolo. Mais voilà. Donc, l'idée, c'est qu'en effet, le vert, il a été choisi un jour. Ils ont tapé tellement sur le clou avec le vert que quand on dit vert, on pense écolo. Donc, c'est déjà pas mal. Oui, donc, si c'était le sens de la question de la couleur verte par rapport à un message écolo, on n'entendait pas très bien. Donc. Mais pour vous, c'est en fait, c'est comment éviter d'être lénifiant, c'est ça que vous dites. Hein. Oui. Comment éviter d'être lénifiant quand on fait... comment éviter ce qu'on appelle le greenwashing ou ce genre de choses? Oui, et comment être surtout pertinent, en fait. Comment faire en sorte que le message soit clair et visible et voilà, que ce ne soit pas juste du greenwashing C'est pas grave, merci. Comme conclure le débat, hein, je pense que c'est l'heure. Mais vous avez sans doute même une... Non, mais c'est vrai que c'est difficile pour les invités qui n'ont pas de stratégie définie à l'avance sur ces questions-là. C'est pour ça que je vais me permettre de leur demander peut-être un mot de conclusion, François Bégaudeau, peut-être votre stratégie globale. Non, je plaisante. Je pense que la question, c'était l'image dans l'épanouissement des consciences. Un petit peu dans la continuité de ce que j'essayais de dire dans la dernière intervention, vraiment pour toutes ces questions, disons, de morale globale, j'ai l'impression qu'on regarde toujours le voisin plutôt que soi-même et qu'on s'inquiète toujours du fait que le voisin, lui, appréhende l'image mal. Je crois que vraiment l'hygiène élémentaire pour les uns et les autres, ce que j'essaie de faire et ce que je crois en fait tout un chacun essaie de faire, c'est soi-même de faire en sorte d'utiliser ce matériau, cet outil qui s'appelle l'image, qui est évidemment, comme tous les outils, extrêmement équivoque, qui peut donner le pire comme le meilleur, qui peut servir le progrès comme la régression, et ben, d'essayer, pour soi-même en tout cas, de le saisir de façon la plus émancipatrice possible. Je crois que si on perdait un tout petit peu moins de temps à s'inquiéter de l'ensemble du monde entier sur ces questions-là et à cultiver pour soi-même une espèce de richesse d'appréhension de l'image, ben, je pense que déjà, ça sera pas mal. Merci. Ça méritait pas mal ça. Ouais, ça bonne pointe, pas mal. C'était écrit, hein, j'avais écrit. Une conclusion voltairienne. David, il faut se faire applaudir maintenant. D'accord. Alors, je pense que, tout simplement pour finir hein, ce débat,
que d'abord vous avez été un peu extraordinaire de nous suivre pendant tout ce temps-là. Mais au-delà de ça, je pense qu'une image qui fait du bien, c'est simplement, c'est comme une flèche qui touche sa cible. Donc, il ne faut pas se tromper. Ça doit être une vérité et surtout pas une posture. Donc, dans tout ce que vous verrez comme image, il faut se poser juste la question, comme l'a dit François, est-ce qu'on est manipulé ? Pas déjà avoir un sens critique vis-à-vis de ça et juste sentir le côté humaniste qu'il y a derrière chaque image qui fait du bien. Point. Michael. Oui. Un mot de conclusion. Un mot de conclusion sur l'évolution des consciences et comment l'image peut l'aider, y parvenir. Alors, justement, j'ai tenté de vous faire comprendre, en tout cas, qu'à mon niveau, cette possibilité de pouvoir jouer avec les images est une saine revanche, d'une certaine manière, parce qu'elle se joue de nous, pour le meilleur, pour le pire. Elle nous mente. Alors, tu ne l'as pas précisé, mais moi, j'étais cinéaste de formation. Donc, j'étais un grand cinéphile aussi. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours été un tel amoureux des images, donc avec toute l'exigence que j'avais vis-à-vis d'elles, qui fait que je trouve ça bien maintenant. Et je pense que l'éducation, l'avenir de l'éducation à l'image, eh ben, c'est ce que font les jeunes. Ils font du podcast sur YouTube. C'est étonnant ce que je peux voir. Ils deviennent auteurs, acteurs. Il y a une démocratisation folle de ce rapport qu'ils ont aux images. Et vraiment de manière terriblement créative. Et c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que, au fond, les adolescents continuent à traiter leurs parents de vieux cons. Le gros souci, c'est que les parents actuels ne veulent plus qu'on les traite de vieux. Voilà, merci. Voilà, alors merci à tous, vraiment beaucoup. Merci aux trois invités, merci d'avoir été inventifs et brillants.